Dans cette ville, l'eau est chauffée à l'énergie solaire. Aujourd'hui, je change des randos et des restos. On m'a proposé de découvrir le solaire thermique dans le cadre des portes ouvertes Climaction. J'étais curieux, donc j'ai accepté. Je suis à Creutzwald, ça se trouve entre Metz et Sarrebruck. Ici, tu as ce très grand parc solaire thermique. Il est connecté au réseau de chaleur pour alimenter la ville en chauffage. C'est ici que j'ai rencontré Eric qui va t'en dire un peu plus sur ce projet. Alors c'est un principe très simple, c'est-à-dire qu'on fait circuler de l'eau froide à travers les panneaux qui va se réchauffer sous l'effet du soleil et on va pouvoir aller alimenter un réseau de chaleur. Photovoltaïque, ça produit de l'électricité. Solaire thermique, ça produit de l'eau chaude. Donc là, on n'a pas d'électronique dans ces panneaux. C'est exclusivement de l'eau qui circule, qui est réchauffée par le soleil. C'est un système qui est très développé dans les pays nordiques, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. Ils sont très pionniers dans ces installations. Les années où il fait beau, on va alimenter 300 équivalents logements. Les années où il fait un peu moins beau, entre 200 et 250 logements. L'énergie solaire, c'est une énergie qui est stable en termes de coût. Elle coûte 0 euro. C'est des systèmes assez simples, il n'y a pas beaucoup d'entretien de maintenance. Ils peuvent durer jusqu'à 30-40 ans. Tout est recyclable, donc c'est de l'aluminium pour le système de captage. C'est du verre qu'on peut recycler. C'est un système qui est très vertueux au niveau environnemental. Quand on parle d'énergie renouvelable, il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi la chaleur. Donc on essaie de promouvoir de plus en plus de chaleur renouvelable parce qu'on pense que c'est l'avenir et on pense que ça va être sur le long terme les systèmes les plus rentables qui existent. Et si comme moi, tu veux visiter ce parc solaire thermique ou d'autres installations d'énergie renouvelable, tu peux venir aux portes ouvertes Climaction, c'est gratuit, ça se tient du 21 mai au 3 juin et les inscriptions sont ouvertes en ligne. Dans la prochaine vidéo, j'irai près de Strasbourg pour voir comment on transforme nos déchets alimentaires en électricité. À très vite pour de nouvelles escapades!